Le baume du tigre, c'est une recette ancestrale. On va dire que 9 Français sur 10 connaissent ce produit-là depuis tout temps. Hein. Le produit a été créé il y a plus de 100 ans. C'est du camphre d'origine naturelle avec du menthol, ça c'est la base. Et on rajoute un cocktail d'huile essentielle. Donc en général, on utilise de la cannelle, on va utiliser de l'huile essentielle de menthe, de l'huile essentielle de cache-cul ou des clous de girofle. Et tout ça d'origine végétale, naturelle bien évidemment. On attaque la troisième année maintenant. C'est effectivement un honneur et c'est aussi le partage de certaines valeurs qui sont communes et qui nous permettent, en tout cas nous, d'avancer sur la communication de la marque en France et pour la société Cosmediate. Cosmediate, qui est le distributeur exclusif en France, a développé une charte qui s'appelle l'Authentique by Cosmediate. Pourquoi on a développé ça ? C'est effectivement pour éviter tout ce qui est produit contrefait sur le marché français. Le baume rouge avec la lotion. Ce sont deux produits qui ont exactement la même formulation, qui vont être utilisés en période d'échauffement avant l'effort. La cannelle avec le camphre va augmenter le pouvoir chauffant du produit. C'est pour ça qu'on va l'utiliser en règle générale en friction. Et le fait de frictionner, ça va chauffer. La lotion, en fait, c'est le baume rouge en liquide. Et pour le coup, on va travailler plutôt en massage, donc sur des grosses surfaces corporelles. Ou par rapport au baume rouge, on va travailler sur des zones bien ciblées comme des articulations. Le baume blanc, à l'inverse du baume rouge, qui est à base d'huile essentielle de menthe, qui a un effet plutôt rafraîchissant. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce type de produit en récupération après l'effort. Donc on a le baume blanc qui va agir au niveau articulation et partie musculaire. Et après, vous avez la neck and shoulder. C'est un produit qui est pour moi adapté pour le cycliste, qui va aider à enlever tout ce qui est tension au niveau de la nuque, au niveau des épaules, du trapèze, voire même jusqu'au bas du dos, qui est très agréable en tout cas à masser. Le produit Baume du Tigre, c'est pas un produit miracle. Il y a un conseil qui paraît de bon sens, c'est de bien s'alimenter, de bien s'hydrater et aussi de bien s'étirer pendant la phase d'échauffement. Ensuite, le Baume du Tigre, c'est une aide. C'est un complément par rapport à cela. Donc ça va permettre effectivement, et notamment à travers des produits comme la lotion ou le baume rouge, de parfaire cette préparation sur les trois points que je vous ai indiqués.